Ouais, ça je vois pas de midi là. Yo Hugo, comment ça va? Ça va et toi? Oh, ça m'énerve quand ça s'actualise pas comme ça. Tac tac. Merci du like Hugo, ça fait plaisir. Tu veux rejoindre la session ou pas? Ah merde, t'es pas sur play. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Eh bah tiens, rien que pour cette question. Regarde, regarde, regarde. Et bim, yo Mascou, comment il va? Comment il va? Le beau gosse là. Le beau gosse Tar Bogota. T'inquiète, Hugo, t'excuse pas. Hein. T'excuse pas. Paramètres. Je sais pas conduire droit moi.
Ouais, je sais, c'est parce que j'ai mon retour de live proche de mon micro. Désolé. Ah bah c'est cool Mascou, c'est cool. Et oui, je vois de quoi tu parles, c'est parfait. Je suis très content pour toi si c'est des bonnes nouvelles là que t'apportes. C'est trop trop bien. Vraiment. Ah, je suis content. Ah bah je suis ravi là. Ah ouais, je veux comprendre ton burn-out de la play. Belle ma Zentorno. Chi. Ouais, il y a que moi qui live, bah comme t'as vu, il y a RL Diablo aussi. Mais sinon, je crois que ouais, on est que deux à live ce soir. Enfin, il y a RL Diablo, j'arrive pas à parler, RL Diablo et moi-même. Eh bah écoute, c'est parfait, Mascou. C'est parfait. Sincèrement, je suis mais tellement happy pour toi. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, mon petit pote. What the fuck? C'est passé quoi là? Ok. Bon, s'il n'y a pas de monde qui peut rejoindre. Non, alors, bah, le dimanche, il n'y a plus beaucoup de monde. Hein. Avant, c'était Mini. Mais Mini, il peut plus trop jouer. Et puis, Tony Yozog, ils font plus de RP maintenant. Et Chacal, comme il travaille, du coup, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais du coup voilà, maintenant le dimanche je vais essayer de live tous les dimanches soirs, si c'est possible et si mon emploi du temps le permet, parce que je commence à tâcher, tâche, ou là pendant je taffe moi aussi. Donc voilà. I hope that il y aura un peu plus de monde. Tu vas faire chier en liste. Ah merci Hugo, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. T'es un bon. Ok, merci. Merci Hugo, c'est super sympa. Salut à tous aussi, à vous qui arrivez, je sais pas. J'en ai beaucoup arrivé, mais salut à tous les gars. Installez-vous confortablement, on est parti pour un petit live là.
Ouais, pour le moment, ouais. Bah, tu sais, j'ai pas beaucoup de. Comme t'as pu voir, j'ai pas beaucoup de follow. Hein. Je suis tout nouveau, moi j'en ai 79. 69, pardon. Ou 70 avec toi, je sais pas si t'es déjà abonné ou pas, mais. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc ouais, c'est normal. Mais c'est pas grave, ça va venir, j'espère. Salut à tous les gars. Coucou Emily. Comment ça va Emily? Comment elle va Eminem? Emily. Ouh là là, je fais nimp avec ma Zentorno. Oh merci, merci Hugo, putain t'es trop sympathique. Bah écoute, ça va tranquillement. Ça va tranquillement. Passe un bon week-end, Emily. Il y a des membres du Cricci. Eh bien, il n'y a point beaucoup de monde, dis donc. Le cartoon. Ok, parfait. Parfait, parfait, mi. Perfecto. Yo Weeds, comment il va mon Weeds? Bon, je vais retourner voler, de toute façon j'ai de l'argent à perdre, j'ai l'impression que ça. Comment il va mon Weedsos? Ah, qu'est-ce que t'as fait ce week-end, mon weed? Merci Hugo, tu gères. Quand le Zentorno fait office de buggy ramp. C'est nouveau ça? Par contre, elle a pas de frein, hein. C'est abusé. Bah, vous savez quoi, en attendant qu'il y a un tout petit peu plus de monde. Salut, salut aux nouveaux arrivants. Je vais lancer vite fait un petit rallye de silex là. Petit rallye de silex. Alors, Manicourt, c'est ça, je crois. Hop, allez. Je vais faire le Grand Prix de Manicourt. Le fou, même moi je le fais pas 1h30 juste pour prendre une cuite. Espèce de fou.
Fou dangereux. Tu m'étonnes, t'es claqué. N'importe quoi. Ah, j'ai essayé tout à l'heure, mais vas-y, j'ai bégayé fort. J'ai pas eu ton message, j'ai mis numéro, genre je l'ai lancé. J'ai lancé, j'ai mis une demi-heure sur le premier point, je suis pas passé. Mais vas-y. On va tenter de faire des bons temps là-dessus. Hein. Puis ouais, s'il y a pas. S'il y a 30, s'il y a toujours personne, ouais, je vais faire. Je vais faire mon petit bonhomme de chemin et j'irai voir. Et j'irai faire les soins à Asian, soit autre chose. Je verrai. Salut à tous! Oh merde, putain, je suis tombé. J'ai voulu lire le chat. Yo, bah deux personnages, écoute. Yo à toi. J'irai voir Wiz pour le mettre dans mes favoris et le tester. Il est assez technique celui-là quand même. Puis la voiture n'aide pas. Bah je sais pas mais j'irai voir. J'irai le tester. J'essaierai de faire un bon temps dessus. Tu l'as fait avec quelle voiture celui-là? Putain, hey, je suis débile. Il n'y a pas la commande crew encore, Hugo. Pas la commande crew parce que je stream pas sur OBS ni Streamlabs. Wow, salut à... Merde, salut à tous les amis. Comment allez-vous? Installez-vous confortablement là. Salut à tous les gars, comment ça va? Ce virage là. Tous les jours de ma vie, je veux des virages comme ça, d'accord? Attends, j'arrive dans le chat là, je finis ce tour là. Ah non, j'avais un tour parfait. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. Bah écoute, je ferai ça.
c'est dommage, j'aurais pu faire je pense un tour en 1,45, même moins. Je l'ai raté là. Je l'ai raté. Ah non, putain, j'arrive pas. Je fais nimpe. Je fais nimpe. Pas la corde. C'est bien d'avoir mis 15 tours, je vais pouvoir l'étudier un peu mieux comme ça le circuit parce que je le connais pas hyper bien. Ok. Ok, ok, oui, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Je te prends en voc, Wiz ou pas? Bah vas-y alors, tu me dis quand t'es co et là, tu rejoins la voc. There's no problem for me. Et c'est quand t'es prêt, ouais, tu me dis et je t'invite en voc mon pote. Y a pas de problème.
Yo, Kinge, comment il va? Comment il va, mon petit Kinge? Ah. Oh là là, je l'ai bien pris là. Je suis sûr que je peux le prendre peut-être à fond. Attendez, j'arrive. Je m'applique là sur cette fin de tour. Non! Merci Kinge, et ça va et toi? Merci du like, ça fait plaisir. Putain, j'allais battre l'heure si tu veux, attends, l'heure quoi. Mais merde, j'ai fait n'importe quoi. Oh, c'est clair, hein, je suis tout pourri. Hein. Et oui, je suis tout pourri, tiens, j'ai alors. Ah, oh, il a s'est calmé là. Cher, toi-même. Ah, vas-y, putain, j'arrive pas à ce virage. Ouais, je pense que je peux le prendre à fond. Prochain tour, on essaye de le prendre à fond celui-là. Hey, 15, écoute-moi bien. Le jour où tu arriveras à me battre sur un GP, tu parleras. Parce qu'en attendant, tu fais le malin, sauf que je te vois jamais jouer, je te vois jamais connecté nulle part. Donc. Non, je viens de perdre toute l'avance que j'avais.
Ok, bon appétit, Kinge. Bon appétit. Merci d'être passé et merci d'avoir déposé ton like à tout à l'heure. Yo mon Kratos, comment ça va? Merci d'avoir déposé ton like et putain je me foirais. Comment il va mon Kratos là? Dommage. Son tour était niqué. Quelle heure là? 21h36. Donc il me reste 6 tours à faire. Après, il me reste 5 tours pour moi. Oulou. Ouais ça va, bah écoute ça va tranquille là, je voulais lancer une petite liste, j'attendrai qu'il y ait un peu le monde. Mais bon, comme les cours ont repris, et que c'est pas Isaac et Tony, il y a pas forcément beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Ah non, mais quelle blague, cette caisse. Quelle putain de blague. Putain, j'ai reçu le seum. Oh non! Le tour était beau!
peut-être pas le meilleur tour, mais faisait partie des meilleurs pour moi. Bon, c'est quand même une des, pour moi, c'est une des plus belles voitures de GTA, hein, celle-ci. Je suis d'accord sur le fait qu'elle n'est pas du tout les mêmes la même puissance que les autres et qu'elles sont peut-être un peu obsolètes, mais putain qu'est-ce qu'elle est belle. Oh mais non, mais quelle blague! Oh putain! Cette course là, alors je l'ai faite beaucoup parce que j'aime beaucoup le circuit et que j'aime beaucoup la Zen Torno, et là je fais en 15 tours, il en reste 2 après celui-là, enfin il reste 3 tours du coup au total. Essayer de repartir avec un max de vitesse. Babanks, let's go. Mais... Putain, toujours plus. Abusé, là. Ce tour il est désastreux. Ah non mais en plus il fait... De toute façon là, si je suis con, plus je l'ai remis dans la liste, mais je pense que je ferai pas de liste. Parce que on n'est pas assez pour que je lance une liste. Salut à tous, installez-vous bien. T'es pas nouveau Hugo Gaming.
Ouais, il y a quand même des gens. Yo, Yo King 93, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne. Ouais, je suis en retard d'ouf. Allez, on entame le dernier tour. Ça va bien, ouais. Non, j'ai pas de Discord, mais le crew dans lequel je suis en a un. Je vais essayer de voir pour mettre le lien là, à la fin du tour. Bon, oh, fait chier. Je vais faire le meilleur tour sur ce temps, enfin meilleur temps sur ce tour là, bah j'ai raté. Retourne, hello Delu, comment ça va? Alors, j'ai eu que le temps là. Quel temps ai-je bien pu faire? 1:41:500. Tac. Ok. Ouais, je suis tout seul dans la liste. Enfin, j'ai pas encore lancé la liste parce que bah, y avait personne. Mais il y a Wiz, qui va qui va venir après. Qui va venir mastarder. Il me dit qu'il est en train de se connecter et qu'il est arrivé.
Oula, oula, oula. Oh, 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 oh. Est-ce que tu veux venir, Tony? Ou tu veux faire du RP ou tu veux rester tranquille ce soir? Ah bah écoute, et bah écoute. Bah bon appétit, bonne soirée mon Tony, profite bien. Mangez bien et faites attention à vous. Faites attention à vous. Je voulais faire si regardez si Wade il est connecté ou ouais merci Tony merci merci bonne soirée à toi et profitez bien. Merci du like aussi au passage. Bonne soirée à toi, mon Tony. Bonne soirée à toi. Je me lance lequel? Bon allez, je me tente celui-là. Si au bout d'une demi-heure j'arrive pas, je changerai de level.
Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que... Alors, bah, il commence très bien ce level déjà. Qu'est-ce que je prends là? Je fais nimp. Bien, j'ai l'impression qu'il est pas bien aligné ce petit train, enfin ce petit wall. Après c'est moi qui suis, mais bon. Yes, yes, yes. Merci Emilie, t'as vu, regarde, je passais en plus. Putain. Ça c'est un point où vous allez voir, vous allez kiffer. Ah non, putain, j'avais la vitesse. Re. Bah, je suis passé sur celui d'avant, mais pas là. Ah, c'est chiant, ça bloque. Re, celle-là. Ah, vas-y. Horrible ce point-là. Oh mais non. Putain. Écoute, Émilie, tu te calmes de suite sans déconner. Absolument pas le bon timing. Non mais arrête, allez là, ça me saoule. Non, 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 j'ai pas le droit de bonheur. Non, celui-là c'est le level 7 de Lucas 35 BZH. Oh vas-y. A chaque fois que je pense que j'y suis absolument pas. C'est chaud de rester au milieu de la spirale. On peut en parler ou pas de ce qui vient de se passer là? Parce que bon, là j'avais bien visé du coup.
grave le seum, putain, là je vais galérer. Là ça va être parti pour de la galère. Ce point là je vais pas avoir de patience hein. Et en fait il se passe avec beaucoup 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 de chance, genre Yozog ne pourrait pas le passer quoi. Dommage. Ouais. Ouais, mais attends, c'est pas grave, je vais quitter le comment ça s'appelle? Le niveau là. J'ai essayé une dernière fois et c'est pas grave. Putain, au moment où je dis ça, je passe. Forcément, il a fallu que je prenne le mauvais sens de la spirale. Oh bordel. Je suis teubé, mais vraiment. Ouais, je suis teubé. Putain. Bon, Wids, si j'ai pas fini d'ici 20 minutes, je quitte. Là je sens une bonne un bon mood avec la Ziane ce soir là.
Dis-moi, est-ce que tu veux qu'on fasse le level 3 de Bonary aussi? Je n'y arrive plus. Ah bon? Je suis con, putain, j'ai pas voulu donner le coup de joystick de trop. Bah après t'es chaud en Asienne ou pas? Parce que sinon on fait autre, enfin on fait un autre Asienne, on fait autre chose. Dis-moi. Ah oh, vas-y putain c'est bon. Ça me gave. Ah bah d'accord. Eh bah écoute, c'est toujours bien. C'est un truc qu'on puisse faire à deux. Bah vas-y, écoute, ça te dit un asiat?
Allez. Vas-y, j'en trouve un. J'en trouve un et puis let's go. Let's go, let's go. Je vais regarder par rapport au pourcentage. Allez, le premier lever la vienne de Benari. T'es invité, Wid. Si tu veux rejoindre, je vais faire la voc avec toi. Voilà. Je t'ai invité en voc hein, si tu veux, Wid. Comment ça? Eh ouais, bah oui. J'entends. Bien le bonsoir. Comment ça va? Ça fait plaisir, toi. Bah ça va tranquille. Ah ouais, putain. Ah, j'avais oublié ce point-là. Je l'ai jamais fini, le level à 0. Oh, moi non plus, sans les deux, j'ai même pas passé le premier point. Ah ouais. Ah ouais. Avec les barreaux fins, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais même pas mettre les deux. Je vais pas faire une vidéo. De quoi?
une bonne arrive à certaines vidéos pour le troisième. Ouais. Il l'a sorti là ce week-end, je crois. Ah ouais, j'ai pas trop le temps de voir. Merde. Par contre, ça veut dire qu'il y a un moment de faire ça. Ah bon? Ouais. Si t'arrives à passer des petits points, c'est bon. Tu peux repartir sur la route après. Merde. Oh merde. Oh là 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 là. Il va être tendu. Si t'arrives à passer de l'autre côté, normalement tu peux remonter comme tu viens de faire. Ah moi j'arrive pas, j'arrivais pas. Wesh, putain. La voiture elle tourne même pas quand je fais le transfert, elle fait même pas une vrille. En switch, quoi. C'est bon. Ah mais qu'est-ce que je vais branler, moi? Putain, je t'ai passé et j'ai même pas. Et j'ai pas fait le demi-tour. Enfin, genre, j'ai pris la marche arrière, mais tu sais, j'ai pas réussi à taper l'hélice et tout pour m'en mettre dans le. Dans le bon sens après. Ouais. Bah non. Ouais, faut commencer à ralentir, à décélérer quand t'es dans le. Quand t'es vers la fin du gros wall. En plus j'ai pris une custom. Oh non, mais quel teubé. Chaud. Qu'est-ce que et moi je prends les je prends et moi je fais le transfert à l'entrée du wall, tu sais, je le fais pas au moment où il faut switch n'importe quoi. Mais qu'est-ce que
Ah putain. Non, tout à l'heure j'ai réussi à remonter comme ça. Pas nice. Hein. La voiture elle a tapé le wall plutôt que de le prendre. Putain mais qu'est-ce que je fais? Putain j'arrive même plus à faire un demi-tour dans un tuyau s'il te plaît, quelle blague. Ça va tomber sans frein. Mais mon frein à main, il a pas fonctionné, ça fait deux fois que je le fais, deux fois qu'il fonctionne pas. Oh non, quel abus. Des fois moi aussi ça me fait, genre je fais pas le frein à main, enfin le frein à main bizarre. On va faire les casseurs. Allez, on va y arriver. Cette caisse de bras. Chaque fois je prends le lampadaire là, il y a un lampadaire, je fais ça. Ouais. Parce que en vrai de vrai c'est même pas un transfert, c'est vraiment un switch. Faut que ta voiture limite et glisse d'un côté à l'autre, tu vois. Fuck, fuck, fuck. Bon, toujours plus. La voiture, elle fait du deux roues sur un wall. Quelle blague. Mais qu'est-ce que... Putain. Oh, ça va me gaver. Je me sens vraiment comme une merde là, à pas savoir faire un putain de demi-tour. J'arrive pas à trouver le bon timing avec l'hélice pour aller taper, ça me saoule. Moi je la tape en marche avant. Ouais. Moi j'ai un problème avec ça, c'est que... Ouais, le truc c'est que je galère à faire demi-tour après. Enfin, genre quand je tape en marche avant et tout. Faudrait que je réessaye, mais... Ah non, putain, j'ai tapé le haut. Fuck. Je sais que je suis d'habitude, je suis plus à l'aise avec le fait de faire le demi-tour avant. Mais qu'est-ce que je branle, mais putain, je suis teubé, mais ma race.
T'as encore fail? Mais oui, mais c'est grave. Non, en fait, là je me suis fail au moment où je devais rentrer sur le wall. Sur le retour. N'importe quoi, c'est... Oh putain. Oh les... Et des fois je me dis les Asiennes pardon, ils veulent pas de moi. C'est plus les mêmes casernes qu'avant maintenant. Les Asiennes trop tôt, faut pas fonctionner pour en avoir un coup. Je vais bien les petits Asiennes. Oh mais non, mais qu'est-ce qu'elle me branle cette caisse là, putain. Je transfère trop tard, je pense. Mais non, putain, c'est pas possible. Un peu chiant. What? Yo, Zakash, tu veux de l'argent? Déjà bonjour. Et non. Bonjour ou bonsoir, hein, je m'en fous, mais... Tu as cru que tu étais chez ta mère ou quoi? Filme-moi 500 balles, MDR. Aïe. Mais non, mais qu'est-ce que... Putain, je me fais le même endroit! Oh là, mais je suis vraiment teubé, c'est pas possible. Zach, au fait, tu peux garder ton argent, j'ai pas one shot. Voilà. Tu peux aller voir d'autres streamers si tu veux leur demander. Si tu veux qu'ils te filent. Enfin, si tu veux leur donner de l'argent. J'ai l'impression d'être un teubé quand je vois que en vrai parce que c'est en soi il est pas simple, enfin il est pas compliqué son level genre.
En tout cas, ce point-là, il est pas assez... enfin, il est pas compliqué du tout, genre. Non, mais je sais pas pourquoi je suis le dernier transport, là. Dernier switch. Aïe aïe ouïe hein. Oh putain. Mais à quel moment, mais c'est fou. C'est chiant. Germain nul. Putain, ça veut pas switch. Je déteste la texture des éléments en plus là qu'il a mis pour le premier transfert. Voilà, ça m'a fait rebondir. Mais voilà, et putain, un coup je switch bien, un coup ça switch trop, faut pas comprendre. J'aurais bien aimé passer à autre chose en moins de 20 minutes quand même, au niveau du premier point, tu vois. Ah bah d'accord, bah pff, toujours plus hein. Yo Amori. Comment ça va Amori? Je suis un caca. T'as juste, Stella, t'as juste supprimé le message ou t'as mis un ban? Ah, vas-y, nickel bug. Cool. Je sais pas si t'es nouveau sur la chaîne, il me semble. En vrai, mais du 300. Hein. Pas le temps avec des gens comme ça. Hein. Oh putain. Voilà. Parfait. Merci bien. Ah mais vas-y, putain, ça tape sur le haut, ça tape sur le bas, ça tape partout. Ok Amori, écoute, bienvenue sur la chaîne, installe-toi confortablement. Je fais du GTA, je fais du Call of, je vais faire aussi bientôt un peu d'Apex, vu que je viens de me réinstaller Apex sur la console. Je fais des activités et entre autres choses, voilà. Putain, mais non, le transfert là, c'est mort. J'arrive vraiment pas sur le transfert. Bah là, il y en a certains que tu sais que j'arrive à faire, mais genre clean où ça rebondit pas, ça passe direct. Par contre, il y en a d'autres où. Et le plus chiant, c'est le transfert. En vrai, de vrai, je crois que c'est le transfert d'après. Ouais, il est galère à prendre. Comme ça.
Non mais quelle blague, quelle blague. Putain. Oh vas-y, ça me gare. Oh, je vais faire ta technique et aller taper la voiture avec la avec le capot plutôt que le cul pour le. Ouais, pour me retourner. Ouais. Merde. Bon, c'est pas ce soir que je le finirai, je pense. Mais... La blague. Oh. La bagnole. J'ai dit il y a deux secondes quand même, ouais, je vais taper avec le capot de la voiture, je suis déjà en marche arrière pour aller taper les 10. Mais non, il se pourrait que j'ai un gros gros esprit de contradiction. Allez, c'est bon, je suis passé. S'il te plaît, dis-moi qu'il n'y a pas de piège. J'ai oublié comment c'est. Oui! Enfin, après 25 minutes bientôt, je passe le premier point. Ah putain. Alors attends, celui-là a été technique comme passage. Oh putain, il était technique de ouf.
Ah putain, c'est dur. Oh, moi, c'est le parcours à l'usage que je voudrais faire, ce genre. Ouais, lequel? En vision. En vision. La première fois que je l'ai fait, j'ai mis 1 heure, mais c'est pas un chrono. Ah, j'ai mis, pareil, j'ai mis 55 minutes. Comme ça. Le dernier coup, je me souviens, je suis arrivé aux flèches à 10 minutes, j'ai mis une déco. Ouais. Ouais, j'étais bien parti, j'ai une déco. Je suis trop le seul. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Elle, ce point-là, il est dur, dur, dur. Mais vas-y! Putain, je sais pas comment il fait là, ça me saoule. Pardon, la blague.
Mais merde. De quoi? Oui, j'y arrive vraiment pas, je bégaye de mieux. Putain. Je commence à y arriver, mais j'arrive pas. En fait, là, je suis sur le deuxième point. Tu montes, tu dois faire un demi-tour. Ensuite, tu atterris dans un en marche arrière dans un tuyau, tu refais un autre demi-tour. Enfin. Mais putain, mais c'est fou. Ça me saoule. Quel plug. Alors, le ralentisseur, il fonctionne genre 5 mètres après que je l'ai passé en marche arrière. Ça me gave. Ah vas-y putain, ça me saoule. Attendez les gars, j'arrive dans le chat là. Oh putain, mon téléphone il bug en plus là. C'est chiant. Alors, on est là, tac. Who's talk me? Yo Laura SPS, comment ça va?
Bienvenue à toi sur la chaîne, comment vas-tu? Oh merde! Putain, je l'avais passé. Oh, ça me saoule. De quoi? Je crois que ça va être fini pour moi. Ah bah vas-y. De bonne arrivée à ce moment-là. Oh mais c'est quoi cette blague là? Oh, vas-y, ça me saoule, putain. C'est une dernière fois là. T'es bon en rallye en course ou pas? Ouais, en GP, parce que rallye GP ça va. Ok. Bah écoute, je vais lancer une petite liste. Enfin, je vais faire. J'ai quelques GP à faire. Là. Bah, si tu veux, attends, lance le tien même. Je voudrais juste que je modifie la fin et plus tard, je la trouve bizarre. Non, genre, bon, j'ai mis ouais. Des sauts pour mettre la fin droit. J'ai foutu un saut, mais ça te fait sauter vachement haut. Ouais. J'ai mis plein de petites rampes là et je les ai collées. Et ça te fait sauter vachement haut. Faudrait que je change ça, que je remette une route. Tant pis si c'est pas droit. Et c'est avec quel véhicule? J'ai laissé plusieurs catégories de véhicules. Ok. Mais écoute, attends. Je vais voir ce que j'ai en rallye.
Je spawn en session. T'inquiète, je modifie juste un dernier truc sur la liste et je t'invite. J'arrive dans le chat, quitte pour l'instant. Non, King, non merci. Je préfère avoir. Mais comment ça s'appelle? Mes abonnés à moi et je préfère le y arriver avec des gens que je connais ou alors tout seul même. Donc désolé, mais c'est gentil de proposer. Putain, il y avait My Dust. J'espère que c'est pas un parcours. Je sais plus. Alors. Dockyard de Tokros. Et voilà. Là. Tac. Du coup, les deux rallyes. Enfin le rallye, la liste numéro 2 de rallye. Puis let's go. Normalement, tu vas avoir l'invite. Tu n'entends, je t'invite via les amis directs. T'as reçu ou pas? J'ai reçu pour le PC. Vous savez les gars dans le chat, je fonctionne pas au chantage ou je fonctionne pas à la condition, c'est je suis comment dire, je suis propriétaire de ma chaîne. C'est pas pour qu'il y ait des personnes qui me disent comment dire, qui veuillent m'imposer quoi que ce soit ou je fais ça pour moi, je fais pas ça pour vous. Enfin, je fais ça pour vous dans le sens où je vous divertis, mais c'est ma chaîne et je veux pas que ce soit biaisé entre guillemets. De quoi, Rayeli? Ouais, il est là le masque. Ouais, je veux pas que ce soit. Enfin, je veux pas que ce soit forcé en fait. Et puis, je pense que tu connais les. Les. Comment dire? Les gens avec qui je joue d'habitude. Et je pense que tu sais très bien que. On n'aime pas les gens qui demandent à être modo. Quand t'es modo, c'est que tu le mérites. Et c'est que ça vient au fil du temps. Je te mets pas modo alors que je te connais pas. Tu vois, par exemple, Mascou, il est modo. Parce que ça fait un certain temps que je le connais. Mascou, c'est mon gars sûr, c'est le S. Stella, c'est ma copine, donc je la mets modo parce que voilà. Parce que c'est elle qui m'aide à faire mes montages, etc. etc. Et puis voilà quoi.
Oh putain, je vais avoir un souci avec la calico, elle tourne pas. Je t'avouerai que j'ai deux loisirs qui tournent pas trop dans le jeu. J'hésitais, mais j'aurais pu... Putain, j'aurais dû prendre la ici en fait. Fais attention, il y a des murs. Tu peux me parler. Je peux passer pour un des murs un peu. Ouais, comme tu dis, ouais, Mascou, les gens qui demandent. Bon, normalement, vitesse de pointe, je te fume, donc... C'est le moment où je crois que tu vas pouvoir m'attraper, ça va être sur les virages. Ou alors si je fais des erreurs... Wow, enfin, j'ai dû longer la barrière. Reviens ici, Wills. Reviens là. Yo. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, bon, c'est la dernière fois que je prends la calico sur un rallye aussi sinueux. Vas-y, mon Mascou, quand tu veux, tu me dis, tu m'envoies un message sur Snap et t'inquiète, je me libère pour toi. Et je te jure, on lance un freeline et vas-y, t'inquiète, tu t'échauffes comme tu veux, le sang. Putain, je te dépose. On t'a roulé sur le bord de l'angle. On voit pas tant que ça, on est sur l'accélération. Alors je viens sur la route. Je sais pas si elle est pas si dégueulasse que ça. Merde. Putain, j'ai voulu te prendre un limpé. Attends, j'ai fait une Verstappen Hamilton. Ouais, parce qu'il a fini quand même sur la voiture. Et c'était franchement, je crois que c'était l'image qui m'a fait le plus rire quand je l'ai vu. J'ai vu la photo du pneu sur le casque à Hamilton. Mais t'as vu ou pas la vidéo ou pas? Ah, vraiment, c'est archi drôle. C'est laquelle que t'as pris comme voiture là? Italie GTO. Ok. C'est vrai qu'elle est pas mal. Encore la RSX, ça va un peu plus vite que la GTO. Bon, elle est plus galère à contrôler. Ouais, elle glisse, c'est ce que j'ai pu comprendre. Vas-y, je vais partir sur les easy si c'est que du GP Rally. Bon, y a, je crois que j'ai pas mis. Enfin, y a du GP Rally, mais. Enfin, t'as les deux, t'as du GP et du Rally. Je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus s'il y a beaucoup de pistes sur Terre ou pas. Faudrait que j'arrive à retrouver les derniers rallyes de Patou là. Ils sont magnifiques. Ouais. Je suis pas trop dégueu. Généralement, c'est pas moi qui pense aux activités. Je suis pas trop. Y a pas. Les deux derniers, c'est bon. On perd pas de temps. Sportif classique. Yep. Je t'ai mis Modo aussi sur ma chaîne. Ça marche, c'est merde. Voilà, j'ai mis Emilie aussi.
Ah. Ah ouais. J'ai bien fait de mettre 3 tours pour celui-là parce que. Tu Puis si en veux plus. un custom? Ah moi je l'avais. Je l'ai, moi je l'ai quand même custom donc en vrai. Ah, elle est magnifique et j'aime beaucoup les roues que t'as mis dessus. Putain, je suis obligé de longer les murs, quoi c'est que cette voiture de merde. Elle a un peu de mal à tourner, il y a des rames. Putain, celui-là, si c'était possible, j'aurais dû le mettre en moto. Je rêve ou je viens de voir un passage. Je suis teubé ou quoi? Je crois que je viens de voir un raccourci. Je sais pas si. Je sais pas si c'est moi qui déconne ou quoi, mais. Je sais pas, mais je t'ai rattrapé d'un coup. Ouais, parce que j'ai freiné sur l'espèce de petit saut. Parce que en fait, j'avais oublié que c'était tout droit. Sur cette course-là, la Omni, c'est les fun à conduire. Celle qui ressemble à l'Audi Quattro. Du groupe B de rallye. Des fois, je me prends dans le mur. Pas vrai. Ou alors c'est moi qui ai pas mis le frein. Ah ouais, non, si, j'ai bien vu un truc, mais en fait, je peux pas le prendre. Trop bien. T'as vu ou pas Tu veux le prendre truc? la bosse? Ouais. Ouais, je voulais voir, je vais voir si c'était possible ou pas, mais. C'est pas possible. Parce qu'il est sûr que c'est pas possible. On se garde plus de temps à prendre la bosse parce que c'est Bah, plus c'est surtout que ça se trouve, en vrai, tu prends pas le point. Donc, oui, bah oui, mais c'est sûr que tu prends pas le point, mais dans tous les cas, je pense que tu perds plus de temps à prendre la bosse. Il est un peu technique, je trouve, mais j'aime bien. Je suis pas sûr que le début, ça fait un peu bizarre là entre l'herbe et la route. Ça va. On va pas arriver sur l'herbe pour commencer à éplucher. J'ai fait un peu ta gueule à chaque tour, je suis certain.
Je pense que je vais faire des lives, enfin le dimanche. Je pense que ce sera beaucoup de listes avec beaucoup de GP. Ouais, ça peut être cool. Parce que bah, sur GTA, c'est les activités que je préfère en vrai. Ça, il est asien, mais. Moi, j'aime bien ouais, tout ce que j'ai perdu, j'aime bien. Je préfère ça au parcours. Donc, que faites-vous dans le chat là? Vous n'êtes pas trop fatigué? Oh, je change les. Ah tiens, je vais mettre un sportif classique pour changer un peu. Et c'est de nuit. Je vais mettre de jour, midi. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Putain, j'ai pas pris les pare-boost. Oh, je suis un enculé. Oh merde, je t'ai poussé? Désolé. Sur mon écran, je pensais que je passais. Ah non, c'est parce que je fais des dérapages. Je fais des freins à main avec. Bon, là c'était pas fait exprès, mais. Putain, je suis un tocard. Ah! Oui, c'est vrai, j'ai demandé ça, pardon. Oh, ça va, tu te calmes. Ouais, bah non, bon, ça va là. Wow! C'est demain matin que j'ai frappé le firon. Mais. Ah, par contre, le virage là, il pardonne pas. Hein. Ouais, tendu avec les photos et tout. Et après, en vrai, je la fais glisser parce que, en fait, je lève le pied au moment où je tourne les roues et pas avant. Et puis je dérape aussi parce que je monte sur les trottoirs et pareil, je lève le pied et je tourne en même temps alors que je monte sur un trottoir. Donc forcément. Je me tape tout ce que je peux taper, je le tape. Hein. Vraiment. Ah mais généralement, quand t'es premier, tu vois bien, mais par contre, quand t'es derrière, tu prends tout. Je t'avoue que tu vois pas bien. Hein.
Non, j'ai glissé au moment où je t'ai rattrapé, au moment où je t'ai vu, ma voiture l'a fait non, ce sera pas pour tout de suite. Pas très cool de sa part. Putain, pourquoi elle glisse là? Vraiment, je te jure, à chaque fois que je te rattrape, la voiture est fait non. J'ai pas envie. C'est abusé. Hein. Oh non. Ah la vache. Je viens de bugger sur la... Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. T'as même pas vu, mais tu sais que j'ai failli bouger un poteau en voulant passer devant. J'ai tellement chaud. Tu disais quoi, j'allais te doubler sur la fin, c'est ça? C'est ça, ma... Allez, repars. Non. Putain. <C'est sous> Ah putain, belle course. Hein. Aïe, aïe, putain, j'aurais pas fait l'erreur là, à faire sauter la bagnole. J'aurais dû freiner bien avant, mais vas-y, c'est pas grave. Je t'ai vu faire, j'ai commencé à tourner. Laisse tomber. Mais en fait, j'oublie tout le temps que ces virages-là, ils sont traîtres. Ils sont trop traîtres, ces virages-là. Ça, c'est même pas la peine de penser à le prendre à fond ou je sais pas quoi. Hein. Ça, c'est marrant. Ça, c'est mais j'ai quand même possible. Le meilleur temps autour. Ça, c'est nice. J'ai fait des attaques partout, j'ai fait ici. Alors, attends. C'est la semaine du camp, ça. Il est où mon emploi du temps pour cette semaine? Je croyais que mon live il s'était coupé, j'ai eu peur. Tu verras, celui-là aussi il est très technique. Je vais reprendre ça.
Et en plus, on n'a pas pris la bonne voiture du tout. Il aurait fallu une. Comment ça s'appelle comme celle que prend Quincy tout le temps là. Hein? Non, non, non. Merde. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah, c'est celle que. Celle qui tourne mieux que la Krieger sur les Grands Prix. Mais je connais la plus le nom de même. Hein? La DV? Non. Je sais plus, je te dirai le nom après. Yo, le faux Michou, comment ça va? T'as fait la même? T'as fait la même? Ouais. Exactement la même. Je sais pas pourquoi, mais dans ce verre apparemment, elle glisse sur le terrain. Et une petite pause sur la route, ça me fait glisser la route. Ouais. Ouais, j'ai pas d'aileron, est-ce que c'est le jeu? Écoute, merci le faux Michou. Merci, merci. Putain, premier tour, j'arrive à le prendre à la corde, là j'arrive pas à le prendre à la corde ce virage. Non. Tu sais que le monsieur le faux Michou là, t'es déjà venu sur le live de Tony la dernière fois et qu'on t'a déjà recalé la dernière fois. Oh putain. L'appareil c'était chaud. Je vais tester ça sur une seule. J'ai cru que j'allais même pouvoir te faire l'intérieur. Ouais, je me suis dit aussi. Au départ en fait je me suis dit je vais couper la spi parce que t'étais derrière moi. Après je me suis dit mais attends, il va prendre la ligne 1T là. Il se passe quoi? C'est moi qui ai le chrono, enfin.
Ah, et puis pas de, d'une seconde en plus, hein. Putain. Hop là. Voilà. Bah ouais, c'est con. Mais de toute façon, en vrai, quand je t'ai vu revenir, à un moment, t'étais à 10 secondes. Je regarde, je fais flèche du bas, je vois t'es à une seconde. Bah je me suis dit, oh, il se passe Ouais, quoi? non, mais des fois c'est bugué les trucs, je sais pas, je comprends pas trop comment ça marche leur système. Genre, bugué des fois, tu vas être à 20 secondes et 3 secondes après, il va être à 10 secondes. Ouais, je te jure, ça marche. Du coup, on va pas se faire avoir. On va prendre la ici. T'as bien fait. C'est sur le parcours à Chris la dernière fois, là, tout dans la neige, là. Ouais, j'ai galère avec mon Italie GPO. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, il se pourrait que j'ai un peu bouffé en tuyau. Ouais, t'es légèrement trop la corde. Légèrement trop à l'attaque, ouais. Je sais pas comment vous faites, hein. Toi et Quincy, pour les virages en épingle comme ça, avec là ici, vous arrivez à les prendre de fou bien. Non mais en vrai je sais que ça va, je sais que je vais arriver à le trouver un jour hein, mais putain, chaque fois je suis en mode mais les bâtards, oh. Rattraper dans la partie sinueuse. Juste pas que je fasse d'erreur d'ici là quoi. Oh merde. Je t'ai dit que j'allais faire un... T'inquiète. C'est moi, j'ai voulu fermer la porte, je pensais que j'étais loin devant déjà. T'inquiète. Ah, tu as un peu une idée de ça. Merci bien. Pas de problème. Lâche mon aspi, tu vas avoir le meilleur temps. J'ai loupé le point. Mais non. J'ai trop gratté. Ah yes. J'ai trop gratté, j'ai lâché.
éviter au maximum pour avoir l'aspi, mais bon. Bah là, pour le coup, j'ai au lieu de freiner, j'ai juste levé le pied dans les... avant le S et j'ai réaccéléré au milieu. Et j'étais sûr de passer, quitte à ce que ce soit tendu. Oh bah. J'ai trop coupé, vraiment trop coupé le dernier virage. Ah, dommage. On a passé les 10 likes. Et ben là, faut rigoler. Ça va, c'est que 4 secondes. Attends, gros cylindre, hop. Oh, vas-y, viens, on le fait en ultra, on le fait en Formule 1. Vas-y. T'en as une en custom ou pas? Ouais, j'ai la BR8 et la BR4. Ok. Et le dernier, aspiration avec... Ok, bah let's go! J'ai la BR8. J'ai mis rouge Torino. Enfin, en fait, j'ai fait noir et nacré et rouge. Je sais pas, mais du coup moi je t'ai suivi, et heureusement qu'il y a eu la barrière, parce que sinon je pense que je volais. J'avais oublié qu'à quel point ça restait collé à une route, les Formule 1 dans GTA. Il est revenu. Je suis passé de l'autre côté de la rambarde. J'ai fait un peu d'or. Ouais, ça m'a fait peur. Je croyais qu'il y avait un mur. À mon tour. Ah merde. Non. Je viens de perdre mon fond plat, putain. En plus là c'est la galère, t'as rien pour réparer. T'as encore en moins de... Non, c'est derrière. Ah bah ça va jouer à la trajectoire là. Ou pas. Oh mais non, mais je suis en tocard, mais... Oh, j'ouvre trop ma bouche, c'est abusé. Ah, oh, et je refais la même que tout à l'heure, okay. Ah, je l'ai fait aussi. Putain, je redescends sur la route, la Formule 1, elle s'arrête. Ouais, ça m'a fait aussi. Tout à l'heure, ça m'a pas fait, là, ça m'a fait. C'est parce que j'ai descendu trop droit sur la route. Oh le con. Ah, je suis l'entrée du tunnel. Super fin. Putain, mais je suis... Tu peux le prendre à fond ce virage là? Presque, ouais. Putain, mais vas-y, je me bouffe tous les trucs de paille là, j'en enculé.
même pas de DRS en plus là. Fais chier. Mais. Putain, ma Formule 1 gros elle se bloque partout et dérape de partout, c'est en train de me casser les couilles. Non, j'ai perdu mon rond en avant. Oh, oui. Oh ça va galérer à tourner. Oh c'est ma chance. Allez, on remonte. Pas d'erreur. Moi je me suis planté moyen. Ça aurait pu être pire. Mais non. Coucou. Ah bah oui, on peut le prendre à fond. Non mais non, arrête. Mais arrête. Putain, en plus, y'a plus de partie sinueuse là, je peux plus te rattraper, c'est mort. Ça dépend. Hein. La fin là, le long là, du bac. En plus là, j'ai plus d'aileron, ça se trouve, elle va lever là. Elle a levé, j'ai pas pu tourner, j'étais droit dans la montagne. Alors il a quel goût le mon Chiliad? Ah il pique un peu mais... Ah bon dommage. Un peu épicé. Oh, c'était laborieux. Putain. PLS sur la fin de course. Mais c'est toi, normalement, c'est toi qui as le meilleur temps. Oh, pas sûr. Hein. Vous êtes toujours là dans le chat. Ah, mais on est 6. Il y a qui de présent encore à cette heure-ci? Bon bah il y a 5 personnes du coup en plus de toi. 17 secondes. Quoi? Ah oui. Ah bah c'était sur ce tour là. Sur le dernier tour. Ah j'ai tout donné. Hein. Oui. Ah fallait pas que je perde. Laisse tomber. Ça va, tu te fais pas trop chier, t'es content de mes perfs ou pas? Non mais attends parce que là il y a une question d'ego. Hit my dust. Ah oui si, hit my dust. Celui-là on se le met en 10 tours. Ah ouais, il est petit. J'ai battu le record, je suis à 47 TD. Je suis à 47,9. De meilleur temps je crois. Oh ouais. Sur quoi ça en est en quoi? En ici sport custom. Sinon tu vas galérer. Sérieux, si je prends la flash GT. Bah après sauf si t'arrives à la contrôler hein, mais moi je sais que je suis plus à l'aise avec la ici. Je teste avec la flash. Parce que je trouve qu'elle dérape beaucoup trop pour ce circuit là. Du coup, ma chérie, est-ce que tu es content de mes perfs ou pas? Ah bah oui, je l'ai fait.
Bah on était chez Chris je crois quand on l'a fait. Ouais. Putain ça fait longtemps que je l'ai pas fait, hein. Ça se ressent. Ouais non faut pas la prendre. Faut la. Je sais pas, en vrai j'ai pas trouvé encore de bon circuit sur laquelle la jouer. Sur du. Ouais faudrait du terrain avec ce qui tient bien la route. Mmh. Et dès que tu freines ou dès que tu caches l'accélérateur, ça prend un peu. Si m'avait foutu la haine parce que genre je l'avais refait celui-là en live en entraînement et tout et je tape mon meilleur temps et il me dit ouais moi j'ai fait 46 secondes ah vas-y il me fout le mort lui. Ouais pas passé mais ça m'intéresserait de voir comment il joue genre vraiment. Attendez. Oh. Ça s'active dans le chat. J'arrive. Hop. Mais merde. Et avec Kratos. Attends, je te lis après mon cœur et Kratos. Ouais, faut. T'as vu ça, ça c'est du soutien ça. Merde. Cox et salut l'autre personne qui a des écritures japonaises que je n'arriverai pas à lire parce que je n'ai pas fait japonais ou mandarin LV2. Comment bah du coup salut Lulu pardon, j'avais pas vu que il y avait 4 lettres qui étaient perdues entre les écritures mandarines. Comment allez-vous les gars? Et les gars, enfin comment allez-vous? Parce que je sais pas si Lulu t'es une fille ou t'es un mec. Tu peux t'appeler Lucien comme tu peux t'appeler Lucie ou Lucas ou Ludivine. Bah ça va et toi? Je te jure. Allez là. Un truc que je trouve ultra satisfaisant c'est que la e-sport pour qu'elle se retourne il en faut quand même et que du coup et des fois tu peux ouais. Te retrouver à faire du deux roues sur une pas mal une bonne distance sans qu'elle se retourne. Ah non, j'ai pris trop à la corde, fais chier, putain j'allais la voir là le meilleur temps. Attendez, j'arrive dans le chat.
Bah, si tu continues comme ça, je vais bientôt te mettre un tour. Hein. Et pourtant, j'en fais des erreurs. Je tourne en 52 secondes. Ah, mais la flèche elle est pas bonne du tout sur circuit. Hein. Elle a une bonne vitesse de pointe, mais elle manque d'appui comparé à là ici. Là, il faut plus d'appui, plus de frein et plus de tenue de route. J'arrive dans le chat, les amis. Hein. Attendez. Si je veux taper le meilleur temps, enfin, si je veux passer en dessous des 48 secondes, faut que je sois à 30 secondes au niveau du point 42. Enfin du point 42, n'importe quoi. Du point numéro 10 et du numéro 16 ou 17, je crois. Yo Tekashi 69, comment ça va? J'arrive les gars, il me reste. Moi je suis sur la fin de mon dernier tour là. Il ne mettra pas un tour pour son dernier tour. Bon, ça m'étonnerait. Que je t'en mette un, je suis trop loin de toi. Ah non, mais j'ai tapé. Putain, bah là c'est mort. J'ai tapé l'arbre alors que j'étais en train de vraiment. J'étais en avance de 2 secondes sur mon temps de ref. Putain, gros ça. Oh, t'es passé pas loin de la correction, on te prend un tour. Je fais ceci. Ok, ok mon Kratos, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Ah, merci, merci du like, merci de l'abonnement, pardon, Lulu. Et ouais. Yo, Tekashi 69, French. Yeah, I'm talking. I speak French very well. Allez-y, notez mon niveau d'anglais sur 20 là. Maintenant. J'ai fait combien là en temps de ref? Un 52, moi j'étais même pas. Mais franchement, mets-le dans tes favoris et teste-le en, ici. Au pire, je relancerai avec toi et tu le remettras, mais... My real 69, yeah, for sure. Mm-hmm, bien sûr. Ok. Mais j'ai déjà fait un meilleur chrono que ça, parce que j'ai pas, ça m'a pas marqué record personnel. Attends, parce que... Comment ça tu... Eh, toi, Stella LZ, là. Avec ton oula sur 20, tu veux que je t'éclate ta bouche ou quoi? C'est quoi ton délire là? Fais trop la folle. Toi, ça se voit, t'es derrière un écran.
Oula sur 20, je t'en mettrai des oula sur 20. Pff, trop la folle. Bénère les gens comme ça, je te jure. Franchement, prends la e-sport. Hein. On peut pas, merci. Bah, merci, en vrai. C'est juste que j'ai... Viens, on va se battre. D'accord. Ouais, tu veux pas apprendre à parler français, s'il te plaît? Avant de juger comme ça mon niveau d'anglais. Parce que viens, on va se battre, BA. Pardon, hein, mais pas ouf. Oh, t'inquiète. Je sais que c'est pas une solution. Et bon, moi je te dis, il y a des claques qui se perdent quand même. Par contre, elle dérape beaucoup la réaccélération. Super, ça va me faire passer pour un mec violent auprès des nouveaux abonnés. Super, bravo. T'es fier de toi là? Ok, point. Wow, j'ai pas vu que ça tournait comme ça. Ah ouais, ce virage là, même moi. La voiture elle a fait chiaou. Ouais, je suis arrivé à fond, je croyais que ça passait à fond, bah non, pas du tout. Celui-là, en vrai, je crois que c'est un circuit de Formule 1. Bah, d'ailleurs, c'est un circuit de Formule 1, ça se voit au tracé. Ah non, mais je suis pas violent, Kratos, mais c'est ma copine, elle veut me faire passer pour un mec violent auprès des nouveaux abonnés. N'importe quoi. Alors, merci du like Lulu. Ah, de rien Kratos pour le modo, t'inquiète, c'est normal. Ouais, t'inquiète pas Lulu, t'inquiète. T'inquiète. Aïe, t'inquiète pas. T'as le droit de t'exprimer comme tout le monde. Et effectivement, dans la vraie vie vraie, la violence n'est pas une solution. Or là... Bah elle, si lui, elle, il faut absolument lui faire entrer les idées dans le crâne à coup de pelle, donc forcément c'est y a que ça comme solution. Ah.
Oui, mais sauf qu'en disant qu'on allait se battre, moi tu me fais passer pour un mec violent auprès de ma communauté. Et merci pour le 15e like de la part de Lulu, on a passé des 15 likes, un max de GG les amis. MRC. Et on est à 73 abonnés, les gars. Je pense que si je suis régulier comme ça, si cette semaine je fais 2-3 lives, je pense que d'ici mi-octobre, je peux avoir les 100 abonnés. Merci les gars. On réduit ça, mais c'est grâce à vous. Ouais. Il y avait quel goût le poteau? Goût bois. Je crois que c'est pas passé au bon endroit. Ah si, en fait c'est passé au T'es bon endroit. sûr? Je sais pas, il met une route, moi je prends la route, il y a un ralentisseur dans le milieu. J'ai eu aucune race. J'ai vraiment fait demi-tour. En plein milieu. Merci. Tu vois, ça on fait ça dans un live, chez Chris ou chez Yozog, je te jure, je râle. Je sais pas quoi faire. De quoi? Cette petite trajectoire que tu nous as fait. Ah ouais, non, je te jure, j'ai sué du cul. Hein. Là, on dirait pas, mais je te jure, je transpire fort. Hein. Ah, j'ai vu toute ma vie défiler sur une correction de trajectoire qui fallait pas. Putain! Il est de Silex ce GP et je le trouve mais tellement bien. T'as plein de petits pièges et tout genre en fait, c'est ça que tu sais qu'il y a qui font. Ah non, le chien. J'ai pas attendu comme toi, désolé. T'as voulu prendre la même trajectoire? Bah ouais, sauf que j'ai pris le petit bout du tuyau comme toi, j'ai pas attendu. Ah merde. Nice.
Ah, GG. T'inquiète pas, Lulu, ce n'est pas grave. Je sais plus, mon Kratos. Peut-être. Peut-être. Je crois même, bah, si on l'avait fait tous les deux, on avait même certainement dû le faire avec Silex. Vu que c'était son GP. Franchement, je sais pas. Je saurais même plus te dire. Chez lui, elle m'a fait peur. De quoi? Je dis Emily, elle m'a fait peur. Pourquoi? Putain, oh là là. Oh bah, hé. Hey. Ouh là là. Hein. Putain, par contre, tu m'as mis 4 secondes. J'apprécie pas trop. Non, c'est toi qui m'as mis 4 secondes. Ouais, c'est moi. Bon bah, je t'ai mis 4 secondes. J'apprécie énormément. tu dors pas à cette heure-ci, toi, Emily? Allez, il reste 3 courses. Minuit et demi, c'est fini. Et après je vais dodo parce que le réveil à 4h il va piquer. Effectivement. T'as que je vais mettre des sportives, 3 tours comme d'hab. Et 2 derniers 100. Oh la galère. Comment ça se fait que tu dors pas? Mal aux dents? C'est Weed en voc. Ouais. C'est Weeds. Elle le frattait Wiz. Ah. Ah bah comment ça se fait que t'arrives pas à dormir là? Par contre tu vois, je sais pas si t'as remarqué mais sans aileron en ligne droite je te rattrapais. Hein. Je crois que c'est pour ça que j'avais enlevé sur ma trigger pour avoir plus de vitesse de points. Et du coup tu perds un temps d'endurance je crois. Ah mais pour la trigger en vrai c'est pas grave. Parce que vu qu'elle tourne pas bien déjà. On va te par les bornes. Je croyais qu'on allait passer par le PH, mais non. Ah bah écoute, bah Emily va dormir. Hein. Va dormir. Et Emily qui te dit bonjour, Weed. En grosse majuscule. Hein. Vraiment, il a mis tout son cœur là. Kratos le daron, tu as fait tes devoirs Emily. Terminé. Ah bah là c'est clair que c'est marrant.
là, de son retour, il va pas jouer à grand chose. Hein. Ouais, je pense aussi. Là, tu m'as remis un peu d'avance. Hein. Mm. Ah, bah là. Dommage. Ah bon, tu t'habites en France, Lulu? Ouais, mais Emilio, oh, les devoirs, il faut les faire, plus tôt quand même. Oh, c'est un peu tard. Je pense que c'est moi qui l'ai. Après, je me dis sur le deuxième tour. Ouais, il joue. Il joue à une seconde pile quasiment. Ah bah oui, il faut réviser, mais... Allez. Pourquoi elles sont en collision? C'est une question, mais les collisions. T'habites où, Lulu? T'habites dans quel pays? Parce que j'avoue que la rentrée demain, c'est tard un peu. Merde, j'ai pas parié. Ah, je suis un con, putain. J'aurais dû laisser les sportifs, les super sportifs. Ah, t'habites en Belgique, ok, c'est pour ça. Je peux te donner un conseil avec la IC Sport, enfin avec toutes les voitures même, quand tu prends le départ boost, accélère et quand t'es au niveau du 1, tu relâches un tout petit peu R2 et tu rapitues au dernier moment. Parce que comme ça tu seras déjà très haut dans les tours et tu gagneras vachement vitesse. C'est pour ça qu'en vrai au départ à chaque fois je te mets une petite piquette. Parce que même si tu prends le départ boost, normalement je serai toujours devant avec ça. C'est comme ça que Neo il fait pour passer devant tout le monde sur les départs de course. Je crois que je dois avoir du blindage sur la voiture aussi. Je l'ai aussi le blindage. Je crois que je l'ai mis en niveau 4 parce que j'en avais ras le cul qu'elle soit abîmée à chaque fois que je touche un mur. Thank you.
T'as tapé? Non, mais c'est... Je vais passer après, mais c'était juste. Elle coûte combien là ici? 1 million 4 ou 1 million 3 je crois. Putain, j'ai trop la haine, j'aurais pu être en dessous de la minute 20 si j'avais pas tapé sur le dernier virage, parce que je l'ai pris trop à l'extérieur. C'était la LZ, est-ce qu'elle est encore en train de dormir? Ah ou... Quoi ça? 3 secondes encore, en fait, mais... Bah, les virages où tu sais, on tapait les murs. Parce que Ouais. c'était des bosses, enfin, c'était des montées directement après ça redescendait. Je lâchais l'accélérateur et en fait, je faisais en sorte de faire vraiment l'intérieur de la trajectoire. Quitte à faire déraper un tout petit peu les voitures ou enfin la voiture. Au moins j'étais sûr de pas toucher. Moi je virage quasiment. Déjà celui dans la montée là je touche à chaque coup. Ok. Du coup ouais, voilà comme dit Kratos, Lulu elle coûte 897 000. Et plus de custom ça doit être quelque chose comme 1 million. Un truc comme ça. Ouais c'est City. Ok, tu dors pas, tu fais quoi alors si tu dors pas? Je l'ai foiré mon départ. J'ai dû manœuvrer pour t'éviter. C'est abusé. J'ai pris un coup de poing pour te laisser passer aussi. Je sentais le carnage arriver. Ouais. Je vais pas faire donner un petit coup de poing. Oh la vache. Oh, j'ai une boule de flipper. Ouais, ceux-là ils sont traîtres. Boire, d'accord. Je pense sur celui-là j'aurais pris la flash GT et je t'aurais mis une grosse grosse avance. Je me suis retourné aussi.
Putain, j'ai perdu tellement de temps là. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu t'es planté dans l'espèce de garage là? Non, non, mais pas sur. J'ai frotté le long du mur rouge et bleu là. Ouais. Putain, moi je me suis planté bah, dans une ouverture de parking. J'arrive Kratos, je vais regarder ce que t'as écrit. Je la gère bien, mais je la gère pas parfaitement, tu vois. C'est dommage. Mais merci Kratos. Après, en vrai de vrai, c'est la plus simple à gérer, pour le coup. C'est la plus simple à gérer, je crois, enfin j'ai l'impression du jeu, parce que elle dérape, bon certes elle dérape un peu, mais elle est légère, elle tourne bien, et si tu veux prendre des virages rapidement, t'as juste à lever le pied. Mais j'aimerais bien voir ce que je donne face à Quincy en e-sport. Et c'est la Emerus dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, en tout cas entre les trois. Hein. Trigger des vestes et Emerus. Ah, ça va là, tu m'as moins mis le chien. Ouais. Bon. Bah, elle glisse beaucoup, mais le truc c'est qu'elle a plus d'appui que la Krieger, et dans les virages, si tu la gères bien, t'as pas besoin de tant de freiner que ça comparé à la Krieger. La Krieger elle tourne vraiment pas. Je sais pas, moi je trouve justement la Krieger elle tourne vachement bien. Bah. Bah, tu prends une Krieger, franchement, tu prends une Krieger et une XA, la XA elle tourne vachement mieux. Ouais, mais après tu prends. Genre. Rockstar, il vaut mieux prendre la Trigger largement. Ah, bah oui, c'est clair. Même si, genre, elle tourne un peu moins sur des épingles, elle tient un peu à la route. Tiens, et la Zen Torno, elle sert de buggy ramp. C'est abusé. Face avec moi, on a Dominator GTT là. Vas-y, je vais aller à l'aéroport, je vais aller ranger ma petite Zentorno. Il y avait donc un mur. Attends, j'arrive Kratos parce que j'ai pas vu. Même les internautes encore, je la trouve bien. Hein. Je sais, tout le monde dit que c'est pas la plus rapide. Putain. Tout le monde dit que c'est pas la plus rapide, ça se voit, je le sais, mais je sais pas, je l'aime bien, je trouve qu'elle a une bonne reprise. J'aime bien la route, elle est vachement lourde. Ouais. C'est pareil, la zone tornade est pas mal pour le coffre.
Mais vu qu'il y a des autres dans la tuyau, tout ça, bah, il y a plus vite que les autres. Ouais. Oh, ça pue, ça. T'es en face tout? Non. Je suis en faisceau, sauf qu'il y a eu un mec qui me cache. J'étais en train de rouler, j'ai entendu deux roquettes exploser derrière moi. Ah. Donc j'ai vite fait sauter de la voiture si tu veux. Les internos, Lulu, c'est celle-là. Attends. Celle-là, c'est une. C'est une lambeau, je crois, dans la vraie vie. Non, c'est pas une lambeau. Faudrait que je retrouve le nom de la voiture que c'est. Si, c'est lambeau. Si, si, et bah c'est la Centenario là. Ouais, je crois. Bah, ils sont tournés au Centenario. Voilà. Pas avoir bac plus 15 du coup. Bon, les gars, moi sur ce. Je vais vous laisser, je vais aller dormir parce que je suis claqué et que demain je commence à 4, enfin je me lève à 4h pour commencer à 6h. Donc je vous souhaite une bonne nuit, merci d'avoir été là, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de vous être abonné, ça fait plaisir. Merci à vous pour les 15 likes, bienvenue aux nouveaux modos de la chaîne même si vous étiez déjà là en tant que viewer. Et puis moi je vous souhaite la bonne nuit, une bonne fin de soirée. Une bonne rentrée pour demain pour toi Lulu, de bons cours pour toi Émilie, et puis je vous fais des gros bisous, je vous fais la bise, prenez soin de vous, c'était Alexandre, ciao ciao, et Wids, pour le mot de la fin, ciao ciao les gens, ciao ciao mon Kratos, ciao ciao Stella, bon toi de toute façon on se retrouve dans 5 minutes sur Snap, mais vas-y, ciao ciao Émilie, bye, bye Lulu, bye Mascou. Et salut à tous les autres. Bonne soirée les gars.